Mais non! Attendez! Pour vous dire que ça va être une dinguerie. Oh le pauvre machin, arrête, on va l'écraser! Arrête! Oh la vache! Oh! Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un comparatif de deux produits que j'ai reçus par le site Banggood. J'espère que vous allez adorer cette vidéo, moi ça me plaît parce que c'est des produits que j'aime. Aujourd'hui on va faire un comparatif drone à 300€ versus drone à 10€. Alors ce qui est intéressant les amis, alors il n'est pas vraiment à 300€ le drone, il est plutôt à 270€. On va arrondir à 300 pour la vidéo. Mais voilà, ce qu'il faut vous dire c'est que ce drone, je l'ai reçu et il avait un prix en réduction à 170, 150, un truc comme ça. C'est vraiment que dalle, il en vaut vraiment 270, 300€. Dans tous les cas j'aurais fait une affaire en achetant sur Banggood, donc n'hésitez pas à les voir, tous les liens seront en description. Je remercie Banggood de m'avoir envoyé ces produits. On a du coup ici un drone à 10€ en réduction. En réduction il doit coûter environ 18€ je crois. Et un drone à 270€ hors réduction, donc on est plutôt pas mal. J'ai aussi reçu une petite carte SIM, donc écoutez, on va faire un comparatif. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me le montrer, ça ferait vraiment très plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, je vous invite tout simplement à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Alors oui, on est dans une grange encore une fois, mais j'aime bien ce décor, je sais pas vous, moi j'adore. Par contre à chaque fois que je reviens, il y a des pattes de chat et c'est pas le mien. Je me dis, il y a des gens qui squattent ici. Donc écoutez, on va commencer à unbox le premier drone, celui à 10€, donc c'est parti, on l'ouvre. Alors, le but de cette vidéo, ça sera un petit peu de voir ce qu'on peut avoir pour pas très cher sur des sites et ce qu'on peut avoir en mettant cher sur des sites de produits pas chers. Donc autrement dit, des sites e-commerce chinois, même si ça fait un peu bizarre d'utiliser ce terme. Alors voici le premier drone. Alors, il est vraiment à 10€ sur le site actuellement. Je suis désolé, j'ai pas de micro-cravate, faudrait que j'en achète, vraiment. Et bien écoutez, on va l'ouvrir et on va voir comment... Ah, ok, très mignon. Très très petit mais très mignon, j'adore. Ah ok, avec une manette. Alors ça c'était, enfin moi je ne pensais pas en fait d'avoir une manette. Ok, donc petite manette qui va avec petite recharge. Ok, petites hélices et le manuel d'utilisation. Donc on peut voir que c'est assez minimaliste. On a vraiment le nécessaire pour s'amuser. Donc une télécommande, le drone, les rechanges, le manuel d'utilisation et la boîte du coup qui va avec. On est vraiment pas mal. Après, est-ce que c'est chargé? J'en ai aucune idée les amis. Je pense qu'il faudra le charger en amont. Dans tous les cas, il y a besoin de piles. Et là, on a les batteries du drone. On a le nécessaire pour pouvoir s'amuser un petit peu les amis. Écoutez, maintenant on va passer au drone un peu plus cher. Le drone vraiment qui est badass. Et à savoir du coup qu'il nous arrivait une mésaventure avec un ami qui va intervenir dans la vidéo pour le test avec un drone que j'ai reçu d'une autre marque. Ok, donc là on a du coup le gros drone avec la petite carte mémoire qu'on a avec parce qu'il pourra filmer, vous allez voir les amis, il est vraiment badass. Le voici, il est juste ici, une belle boîte blanche. On va sans plus attendre pouvoir ouvrir, j'ai pas de couteau. Ah. Et là j'ai trop envie de voir la tête du drone les amis. Ok, il est juste ici. Ah là, là, là franchement, ça me plaît beaucoup. Je vois les moteurs les gars, mais les moteurs ils sont vraiment énormes. Alors c'est-à-dire les moteurs des hélices, mais, oh, mais il va aller, mais c'est une dinguerie en fait. Mais c'est, oh les hélices, oh, oh les hélices ça a rien à voir avec le petit hein, vraiment. Ah, voici comment ça se présente, c'est très complet et très bien organisé. Et franchement, mais je pense qu'on va s'amuser avec ça les gars, mais on va s'amuser, on va en faire des conneries. Ah oui d'accord, il est bien calé pour pas qu'il bouge durant le transport, ok. Le drone, déjà sans batterie, sans rien, il est déjà lourd. Mais les gars, mais... Non mais ça va être incroyable, hein, vraiment, faut vous dire que ça va être une dinguerie. Le chargeur juste ici, ok. Le même chargeur que ma trottinette électrique, je dirais. Oh ! Oh ! Mais non ! Attendez ! Ah ! La putain de télécommande a un écran ! Et des joysticks mon pote, mais c'est des joysticks encore mieux que sur la Switch. Oh là là, mais je kiffe, mais je... Ah mais c'est une dinguerie, vraiment, ça va être une dinguerie. Mais on va avoir un retour caméra, non mais... Oh putain les gars, déjà avec un drone à 30 balles, je m'amusais. Mais alors là, mais je vais en faire toute la journée. Oh la batterie, ils se sont pas foutus de notre gueule sur la batterie. Et je pense que le but de cette vidéo vous montrera que en achetant sur des sites, en l'occurrence Banggood, on pourra avoir des produits exceptionnels à moindre coût, vraiment pour le coup. Voilà, au moins vous pouvez vous dire à 9€ on a ça. Et à du coup 100, allez, on va dire 180€, on a ça. Il y a beaucoup de réductions sur le site en ce moment, donc tous les liens seront en description. Mais les gars, mais faut voir, non mais... Mais ça c'est un coup mon pote, tu prends les listes dans la gueule, mais tu t'en rappelles pendant 2 mois. La notice est très belle aussi également, hein, franchement c'est du détail, mais c'est ça qui fait la différence je trouve. Mais faut voir les hélices les gars, mais les... Attendez, mais regardez, vous ne croyez pas, mais on dirait des couteaux. On dirait des couteaux pour faire, mais...
On fait un pique-nique avec ça, je vous jure, on fait un pique-nique. Sans oublier la carte mémoire, juste ici, quelle capacité? 64, mais c'est vraiment balèze. Alors voici globalement ce qu'on a reçu dans un produit à 180 euros, qui était en réduction bien évidemment, parce qu'il coûte environ 250-300 euros de base. Et là, on est vraiment servi les gars, mais vraiment. Bah écoutez, maintenant je vais vous faire des petits plans, je vais monter tout ça. Et puis après, la cinématique, on se trouve tout simplement pour tester les deux produits. Mais là, actuellement, il pleut. Je déprime un petit peu, mais bon, écoutez, on va faire avec. Et je vais vous montrer un petit peu la qualité des produits qu'on a reçus. Wesh, il y a un... Eh, il y a un truc qui gratte là, mon pote. Je vous jure, il y a un truc qui gratte. C'est quoi qui gratte? Eh, franchement, je suis jamais tombé sur un rat. Je sais pas ma réaction. Bref, écoutez, on se retrouve juste après pour faire un petit peu des conneries. Parce que là, je vais pas descendre tout de suite. Conneries, toi. Oh le pauvre machin, arrête, on va l'écraser. Et bien heureux, donc on va tester le premier drone, celui à 10 euros. Et comme on peut voir, il est vraiment tout petit, donc par rapport à ma main, il est comme ceci. Donc écoutez, on va voir ça en espérant ne pas le paumer. Mais il est quand même sympa, franchement. C'est quelque chose. Il n'est pas aussi technologique que l'autre, bien évidemment. En fait, pour le mettre sur on, on a juste à brancher la batterie. On va dire qu'il n'y a pas trop d'options. En même temps, pour 10 euros, les amis, on va pas avoir non plus un drone qui filme, etc. On va essayer. Ah, attention. Ok. Oh là, reviens. J'arrive pas à le stabiliser, putain. Oh. Ok, donc on peut voir qu'il y a une espèce de stabilisation. Ok, attendez. Voilà, reviens. Putain. Sur la putain de bagnole. On va essayer de le stabiliser et de le mettre à ma hauteur, mais c'est assez compliqué. Ah. Oh putain. Oh putain. C'est bon, je l'ai. Ça reste vraiment très limité hein. Mais bon, c'est un drone qui vole. C'est le problème, c'est qu'il monte vite dans les tours. Et regardez, si on fait ça, eh ben, oh putain. Oh. Non, franchement, pour 9 euros, on peut quand même s'amuser. Et bien heureux, donc on va tester l'autre drone, donc qui coûte environ 250 euros. Donc c'est parti. Et là, on appuie longtemps. Ok, donc là, il est allumé. Et là, les amis, on peut voir un petit peu ce qui est affiché ici. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, ça fait quand même pas mal de bruit. Oh, tiens, une forêt à côté, on va se calmer. Hein. Mais il est énorme! Vraiment, il y a ça qui fonce sur moi, j'ai peur. Ok, ça filme. Donc je pourrais faire une vidéo, les gars, on va essayer de nous montrer nous-mêmes. Oh! Oh! Eh, je peux faire une vidéo là? Eh, ils prennent peur les gueux s'ils voient ça. Wouah! Mais c'est incroyable, hein. Les gars, mais vous vous rendez pas compte de la vitesse que... Mais c'est un... Oh non! C'est vrai! Comment j'ai pu faire ça? Ah putain! Oh putain, mec, il était rosier de partout! Et viens là! Ah, tu vas pas venir à moi! Au moins on l'a! Ah! Là, décollage automatique. Attends, recule-toi. Oh merde! Les fans de drones, ils vont être là, ils vont s'arracher les cheveux. Bah écoute, viens, on le fait décoller sur ta voiture au pire. Et refouse pas un nana pour mettre une fraise rouge. Oh mec, non mais. C'était même pas. Mec, j'ai vraiment pas fait exprès hein.
En fait, je voulais te faire peur, je voulais aller vers toi et d'un coup remonter. Ah mais c'est incroyable hein. Faut voir le vent qu'il fait hein. Faut voir, eh mais oh ouais mec c'est incroyable hein. Viens en dessous un coup. C'est un truc de fou hein. On va essayer de le poser avec le mode. Eh ben franchement c'était intense hein, franchement. Une dinguerie, parce qu'on l'avait testé, mais on pouvait pas faire beaucoup trop de choses. Mais là, les gars, franchement, c'est énervé. Par contre, là, il va faire nuit. Écoutez, on se trouve juste après, donc c'est parti. Mais le problème, c'est que je peux pas le faire. Parce... Oh la vache! Oh! Oh, 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 elle déconne pas quand même. Oh! Mec! Mais arrête! Mec, mais il y a du bois à côté. En vrai, tu fais ça au milieu. Mais après, au milieu, il y a des herbes. Mais mec. Eh bien, j'espère que vous avez adoré ce test. Moi, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Ça change un petit peu des unboxings. Je remercie encore une fois la marque Banggood qui m'a envoyé des produits. À savoir que c'est moi qui ai choisi les produits. On peut voir que le drone à 250€, il a une qualité exceptionnelle. Je l'adore. On peut faire des dingueries avec. C'est pas la marque qui me l'a envoyé en se disant on sait qu'il est bien. C'est moi qui l'ai choisi au hasard. J'ai choisi deux produits. C'était des drones ou non. Je pouvais prendre ce que je voulais. Donc, vous pouvez voir que en mettant un petit peu le budget, on peut avoir des choses très très bien, mais je dis budget, mais en soi on n'est pas sur des montants vraiment extraordinaires, voilà, c'est vraiment pas cher, donc n'hésitez pas à vous abonner et aller en description, tous les liens seront en description. En tout cas, nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.